Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va? Très bien et toi? Impeccable. On va commencer par se débarrasser du Covid. Est-ce que ça perturbe le groupe? Le fait qu'il y ait des cas positifs et que justement, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre dans les jours qui viennent. Ouais, non, je pense pas que ça perturbe le groupe. Actuellement, on en a 5 voilà, qui n'ont pas de symptômes. Donc déjà, c'est une bonne chose. Après, je pense que ça aurait pu être pire. Parce que c'est difficilement détectable. Et comme on a vu des clubs comme Clermont ou même Amiens, ça s'est vite propagé. Donc nous, voilà, on se dit qu'on a un peu de chance d'en avoir actuellement que 5 et de pouvoir aligner une équipe compétitive lundi. Ok, ouais. Donc, parenthèse refermée. Si on parle un peu plus de toi, 7 derniers matchs de championnat, 7 dernières titularisations, ça va bien pour toi? Ouais. Non, ouais. Ouais, bah je trouve que je monte en puissance. Après, je sais que je suis peut-être encore qu'à 60% de mon niveau de jeu. Donc j'ai encore une belle marge de progression. Mais voilà, je sens que de match en match, je retrouve mes sensations de quand j'étais à mon meilleur niveau. Donc voilà, ça passera par les matchs, par les victoires aussi, ça donne confiance, le travail à l'entraînement. Donc voilà, après on a la chance d'être bien encadré, on a un bon staff, on a un bon groupe avec des joueurs de qualité, donc ça facilite les choses. Quand tu dis qu'à 60%, les 40% restants, c'est quoi? C'est du physique, c'est des automatismes? Non, physiquement je suis bien. On a énormément travaillé, donc voilà, je suis bien. Après c'est les principes de jeu, je pense que je commence vraiment à les assimiler. La confiance avec les partenaires aussi, donc après je pense que c'est des petits détails, je dois encore je pense travailler sur l'explosivité, des choses comme ça. De quoi tu disais, tu parlais physiquement justement que tu avais perdu 3 kilos? Même plus, quand je suis arrivé j'étais à 94 et actuellement je suis à 89, donc ça fait presque 5 kilos et j'ai jamais été aussi bas dans le poids depuis que je suis professionnel. Le plus bas que j'ai été c'était 90 ou entre 90 et 91. La gastronomie toulousaine, non, ça peut... Bah j'ai un peu de chance parce que tout est fermé, donc ça m'aide un peu à perdre du poids. Okay. Plus sérieusement, nous de l'extérieur on trouve que tu amènes de la sérénité, de la sécurité de plus en plus. T'as un impact sur le groupe aussi. On le sait, t'as l'âme d'un taulier, ça mm-hmm. sur le terrain, t'es de cette avis. Ouais, c'est en plus c'est pas quelque chose que je force, c'est quelque chose je vais pas dire d'inné mais qui est naturel, que je sois à l'entraînement ou en match, j'essaye toujours de communiquer énormément, même si parfois je peux être un peu dur avec mes coéquipiers, pardon, que j'essaye de toujours pousser même quand ils sont fatigués, etc. Donc voilà, après les joueurs le prennent bien et c'est le principal. Justement, Sébastien, les prochains matchs qui arrivent jusqu'à la fin de saison seront cruciaux. Qu'est-ce que tu attends de toi-même par rapport au groupe, via ton expérience, pour insuffler peut-être un dernier élan de motivation? Tu sens que tu as un rôle encore plus important à l'approche de ces matchs cruciaux? Ouais, mais pas que moi. Il y a d'autres joueurs avec d'expérience, comme le capitaine Gabrielsson, De Jagereux, qui a aussi une grande expérience. Donc voilà, à un moment donné... comme j'ai déjà dit, il y aura peut-être une pression qui va s'installer au plus où on va se rapprocher de la fin. Donc ça sera peut-être à nous de calmer les choses, d'apaiser les choses. Mais à l'heure actuelle, on ne ressent pas cette pression. Après, je pense qu'on doit faire beaucoup mieux à l'extérieur. Et c'est peut-être aussi à nous de mettre un peu plus de grinta et d'adrénaline avant les matchs pour directement mettre le feu dès le début du match. Le coach disait justement que votre souci à l'extérieur... Ouais, mais je pense qu'il a tout à fait raison par rapport à ça. On doit dès le début imposer notre jeu, jouer vers l'avant et mettre le pressing comme on le fait à domicile. On doit faire la même chose à l'extérieur. Tu n'avais pas beaucoup évolué dans une défense à 3, comme c'est surtout la défense à 4. Maintenant que ça fait quelques matchs que tu joues, comment tu vas prendre la situation? Est-ce que tu es plus à l'aise? Et on a l'impression que le trio, donc avec Calvin et Ruben, vous êtes assez complémentaires.
Oui, on est complémentaires. Après, comme je l'ai dit, ça passe par l'enchaînement des matchs et aussi des entraînements. Quand je suis arrivé, j'ai fait un match directement, puis après j'ai eu une blessure, donc malheureusement j'ai pas su enchaîner et apprendre ce système-là et les principes de jeu que le coach voulait mettre en place. Donc voilà, ça a mis un peu de temps, mais maintenant on voit les résultats du travail. Et que ce soit avec Gabi ou Kelvin ou même avec Anto et Bafo, on sait que peu importe avec qui, il y aura toujours cette complémentarité, cette confiance. Et tu avais presque été buteur donc samedi. Hein. Ouais, presque. Ouais, presque. Mais voilà, le plus important, c'est que la balle finit au fond, que ça soit moi ou un autre, peu importe. Pour moi, le plus important, c'est les 3 points. Mais voilà, je suis confiant et j'aimerais bien marquer mon premier but. Et je sens que ça va arriver parce que presque chaque match, je me procure une opportunité. Sur les coups de caractère, vous travaillez beaucoup à l'entraînement, notamment là sur cette action de la semaine dernière. On a reconnu la connexion belge, non, avec Brecht Ouais, en plus, voilà, Brecht, il a une qualité de passe qui est extraordinaire. Donc, on n'en avait même pas discuté avant le match. On l'avait travaillé la semaine. Et puis, quand il y a eu le coup franc, on voulait faire quelque chose. Puis, on a vu que c'était bloqué. Et donc, j'ai levé la tête, je l'ai vu. Il m'a juste fait un clin d'œil et j'ai compris directement. Et voilà, c'est passé. Guingamp maintenant, parce que c'est l'actualité du moment, le stade du Roudourou. Donc, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Donc c'est spécial, hein, Roudourou, c'est un petit stade champêtre, hein, alors c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Guingamp, c'est à peine 7000 habitants, donc ça c'est aussi la Ligue 2 française, tu vas découvrir ou on t'en a parlé ou... Ben Guingamp, je connaissais parce que c'est un club qui a évolué en Ligue 1. Je sais qu'il y a des joueurs comme Drogba qui sont passés par là, etc. Donc je connais. Après, le stade, j'y suis jamais allé, j'ai jamais joué contre Guingamp, il me semble, ou peut-être en jeune dans les tournois quand j'étais à Lille, mais ça doit remonter à plus de 20 ans. Vous avez dit que tu attendais avant de te prononcer sur la valeur de la Ligue 2. Là, bon, forcément, tu connais plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour être honnête, je trouve que c'est un championnat qui est... comment dire ? On n'en parle pas assez, parce que je trouve qu'il y a énormément de qualité dans les équipes qu'on rencontre. Il y a surtout... comment expliquer ? On découvre beaucoup de jeunes talents, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est une chose importante pour le foot. Ça permet à des joueurs de saisir leur chance et après de partir vers de plus gros clubs. Donc ouais, j'aime vraiment ce championnat. Il y a notamment des jeunes attaquants qui peuvent donner du fil à retordre. Bien sûr. Pour revenir sur Guingamp, Seb, qu'est-ce que tu sais de cette équipe que vous allez affronter ? T'as jeté un œil au match aller peut-être, ou t'as commencé à te renseigner, ou tu... Oui, j'ai regardé parce qu'on a une plateforme qui est mise en place par le club où on peut avoir des vidéos des matchs précédents, des adversaires. Par exemple, moi, je peux regarder les attaquants, etc. Donc voilà, j'ai vu que c'est une équipe qui a pas souvent la possession du ballon, qui joue beaucoup avec un bloc bas et qui essaye de vite se projeter en transition et qui est aussi très fort sur les phases arrêtées. Donc voilà, ça sera à nous d'être prudents, de mettre du tempo directement pour essayer de faire bouger cette défense et créer des espaces et être attentif sur les reconversions et les phases arrêtées. Tu disais tout à l'heure que plus ça va aller, forcément plus la pression va se faire sentir. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, à J-7, on est déjà dans le money time ou pas ? Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer d'ici la fin. Je pense que pour moi, le money time arrivera plus vers les 4 derniers matchs. On verra déjà ce week-end les résultats qu'il y aura. Et après, c'est à nous, lundi... de faire le job et de continuer à mettre la pression sur tout le monde. Un avantage ou un inconvénient de jouer après tous les autres ? Franchement, pour nous, ça ne change pas. Si on peut choisir, je pense qu'on choisirait de jouer avant tout le monde. Mais voilà, après, on a eu la coupe cette semaine. Donc on n'avait pas le choix de jouer lundi. Mais voilà, pour nous, c'est bien aussi. Ça nous permet d'avoir plus de récupération. Les fessés vont monter ? Oui. Directement ?
On verra, mais le plus important, c'est la montée. Qu'on finisse premier, deuxième ou troisième, le plus important, c'est qu'on monte. On sent dans un groupe, quand il y a une dynamique, justement, de montée, quoi, d'accession, de titre. Oui, on le sent au sein du groupe, même, je veux dire, pas que dans le vestiaire. On le sent avec les gens qui travaillent ici au stade, même l'engouement qu'il y a avant les matchs, quand on arrive en bus, de voir des supporters faire ça, alors qu'on est en temps de Covid. Normalement, ils n'ont pas forcément le droit, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous motive, et voilà, on doit s'en servir avant chaque match, même à l'extérieur, repenser à toutes ces choses-là et se dire, ouais, les supporters sont toujours derrière nous, les gens qui sont ici au stade travaillent énormément, font du mieux possible pour qu'on accède à la Ligue 1. La Coupe de France devait être une espèce de casse-tête, mais finalement le parcours se passe très bien. Ouais. Quel regard vous portez du coup sur le calendrier que vous avez? On imagine que vous voulez jouer les deux tableaux à fond. Oui, on veut jouer les deux tableaux à fond. Après, il ne faut pas oublier que l'objectif principal, c'est le championnat. Mais on ne va pas bâcler la coupe non plus. Et je pense que c'est une très belle opportunité. Ça fait vivre une aventure extraordinaire au groupe. Surtout aux jeunes, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont pas forcément dans le noyau professionnel, qui ont eu leur chance. On l'a encore vu ici au dernier match. Donc voilà, ça nous permet aussi de découvrir de nouveaux jeunes. Donc c'est pas mal pour le club et tout le monde. Plus généralement, est-ce que au club ou dans la ville ou dans le pays, il y a des choses qui t'ont surpris ou étonné depuis le temps que t'es arrivé? Alors positivement ou moins, mais... Négativement, il n'y a rien qui m'a étonné. Après, positivement, c'est, comme j'ai dit, l'engouement que je sens pour ce club, des supporters, malgré les temps qui ont été très difficiles pour eux. Ils lâchent pas leur club. Et c'est ça qui nous donne une énergie très positive aussi. La ville, t'as eu le temps un peu de... Un peu. Après, c'est comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de restaurants ouverts, donc je pense que ça doit être autre chose quand tous les restaurants sont ouverts, les bars, les terrasses, etc. Ça doit être sympa, mais en tout cas, ouais, le centre-ville, je trouve que c'est magnifique. Quand tu vas sur la place du Capitole, c'est beau, les rues. Voilà, ma femme et moi, on aime vraiment bien. Ta famille t'a rejoint là aujourd'hui? Ouais, ma femme et ma fille sont avec moi depuis début février, je pense, il me semble. Tout baigne. Ma fille est déjà à l'école ici, donc voilà, c'est impeccable.